Eh bien, salut à tous les amis, c'est JB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale achat Black Friday. Hein, donc, euh, Black Friday, euh, bah, Black Friday, si on... plutôt Black Quick, plutôt, hein, parce que le Black Friday, maintenant, ça dure au moins une semaine, deux semaines. Donc, là, bah, je me suis fait un peu plaisir, même beaucoup plaisir, sur, euh, bah, sur Amazon sur Media Markt, également euh, sur euh, il me semble il Amazon Belgique Amazon France donc les deux trois enseignes Amazon avec Amazon France et Amazon Belgique et également Media Markt je trouvais pas mal de petites choses euh, c'est vrai qu'avant auparavant, dans les Black Week je m'achetais dans d'autres enseignes mais euh, j'avais mon Dreamland où j'achetais énormément et bah, malheureusement le Dreamland par chez moi il n'y a plus grand chose on ne même sait même plus se faire livrer en retrait donc, je ne prends plus grand chose dans le Dreamland. Ce site a carrément été fini pour moi. Je ne prends plus rien du tout dessus parce que malheureusement, bah, on ne sait plus se faire livrer euh, par chez nous. Donc, euh, enfin, on est obligé d'aller chercher directement dans le magasin s'il y a du stock. Donc, au final, ce n'est pas, euh, pas folichon. Donc, euh, voilà. Donc, déjà, ça reste une, une vidéo qui va durer un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'achats à présenter. Je ne vais pas vous mentir. Euh, J'ai un peu pété le portefeuille là, euh, pour ne pas vous mentir. En total de jeux vidéo, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jeux vidéo. Donc toutes console confondues. On a du Switch, on a du PS5, on a du Xbox Series X, on a même un jeu PS4. On a même ouais, on a un peu de tout. Et en truc, on a aussi euh, plusieurs coffrets 4K. Euh, je pense qu'il y a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 6 Blu-ray 4K, on a du Blu-ray et on a aussi du coffret DVD donc on aura vraiment pour tout le monde donc on va commencer bah, sans perdre de temps hein, parce que sinon ça prend du temps on va commencer par un jeu Switch sur Amazon belge donc faut savoir ici qu'avec le Black Friday enfin euh, je, je constate qu'il y a énormément de, de baisse de prix enfin moi j'ai acheté beaucoup de produits et qu'au final la prix sont passés à que j'avais acheté un coffret qui était à 50€, euros et là il est passé à 40 euros. Mais j'ai appris quelque chose via Amazon que je n'étais pas au courant du tout. C'est hier parce j'étais en train de me renseigner. En fait hier pour la petite histoire c'est que j'avais des rois des coupons de réduction. Malheureusement mes coupons ne fonctionnaient pas. Donc vraiment le service après vente de Amazon il est juste au top. Hein. Donc j'ai contacté Amazon pour demander bah pourquoi les coupons ne fonctionnaient pas. Et là, Amazon, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit écoutez, on va vous donner 15 euros de, de chèque cadeau. Donc voilà. Au final, j'avais droit à 10 euros de remise et 5 euros. Enfin, j'avais droit à 10 euros de remise sur une sélection de produits. Euh, et au final, ils m'ont dit ouais, écoutez, on va pas aller par quatre chemins. Je vais vous donner 15 euros de chèque cadeau. Et comme ça, bah, vous aurez vos réductions. Donc au final, bah, super sympa. Donc j'ai eu 15 euros de chèque cadeau pour un truc. Du coup, j'ai commandé un truc. Et alors au vie de ça, j'avais vu en fait qu'apparemment euh, cette année le Amazon ferait en gros entre si on achète entre le 17 et le 27, sept, le 27 novembre jusqu'au 4 décembre euh, non, avant le 4 décembre et eh ben on aurait apparemment des remboursements qui seraient effectués euh, pour les coffrets euh, qu'on aurait achetés par exemple 50 euros. Et qu'entre-temps, il serait passé à 40 euros. Apparemment, on nous rembourserait la différence. Euh, je sais pas. On verra si ça se fait ou non. Hein. Moi, normalement, j'ai acheté des coffrets, je sais, moins chers. Enfin, euh, à, à, à des prix, voilà, à des prix, voilà, 50 balles. Et qu'après, c'était passé en hein. baisse de prix entre-temps. Donc, on verra si ça se fera vraiment. Mais j'espère, parce que ça peut, être, euh, ça peut être pas mal de se rembourser quelques euros. Je pense, par exemple... Un coffret que j'ai pris à 23 euros, il était passé entre-temps à 19 euros de poussière, enfin bref. Donc voilà, on va commencer les achats, sinon ça va jamais d'aller. Donc là, un achat que j'ai fait sur Amazon Belge à 15 euros, je crois que c'était un bon prix. Euh, bon, je suis un peu deck parce que là, sur Amazon France, il a 12 euros, il a passé de prix entre-temps. Voilà, Toll Soldier HD. Ce jeu-là, j'ai vraiment un gros doute si je l'ai pas déjà en Démat, mais je pense pas, enfin j'ai un doute parce qu'il me semble qu'en Démat, il était vendu un peu cher. Well, Toy Soldier HD ben voilà, pour, euh, pour 12 euros, enfin 15 euros. Ce qui reste un prix euh, relativement correct. Hein, c'est un petit jeu que j'avais auparavant, que je jouais sur la 360. Que j'aimais plutôt bien. Hein, voilà, C'est un petit shooter hein, euh, avec des petits soldats. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, euh, ça je pense que c'était sur Amazon, je pense, pour 25 euros. Voilà, je l'ai pris quand même. Normalement c'est 40 euros le prix de base. Mais là il est à 25. Les Schtroumpf Kart, voilà, donc je l'avais déjà joué sur la Switch, je suis là, à, à la Switch à celui-là, donc euh, là, ce sera l'occasion de le faire sur la PS5, voilà, pour euros. Pour le Schtroumpf Kart, voilà, plutôt sympa. Ensuite ici, bonne petite affaire sur, euh, sur MediaMarkt, euh, d'ailleurs je voulais prendre au début aussi la version série X, pour la faire sur série X, mais là je viens de regarder sur le site MediaMarkt, il n'a plus de disponible, donc bah, dommage. Mais bon, je l'ai au moins récupéré sur la PS5. C'est-à-dire que sur la version PS5, je l'avais déjà fait. Je l'ai pris en fait pour faire les, le DLC que, séparément. Euh, voilà Donc il s'agit de Resident Evil 4. Je l'ai vraiment pris parce qu'il était vraiment pas cher du tout. Il était vendu euros sur MediaMarkt. Hein, donc à ce prix-là, bah, je ne me suis pas prier euh, oui, je, hein, je l'ai pris. Donc au moins comme ça, ça me permettra de faire euh, le DLC que j'avais envie de faire. Heureusement que le DLC ne coûte que euros et bien sûr bah, quand moment je vais peut-être le vendre à Didinou, je pense, il est toujours ok. Je lui ferai un prix d'ami à euros quand je l'aurai fini. Voilà. Ensuite, euh, c'était sur MediaMark, ça également. Euh, bon, j'ai vu quelques vidéos avant de l'acheter. Pour voir si ça allait peut-être me plaire. Bon, je l'ai pris. On verra ce que ça vaut. Si j'aime pas au pire, je le vendrai. On verra bien. Donc le Neo White, voilà, donc une sorte de jeu de tir céleste ultra rapide. Hein. Un peu comme les speedruns et tout ça. Ça peut être sympa à jouer. Donc voilà, Neo White. Alors, il était vendu 25 euros. Voilà, 25 euros. Donc à tester ce petit jeu, Neo White. Bon ça, le Kaiser Protocol, qui était à 5 euros. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Ce sera à faire gagner dans un concours. Que je ferai prochainement, le concours, hein, que je ferai, euh, je ne sais pas quand, mais bientôt. Ce sera un des lots à gagner, enfin un des, un des jeux à gagner. Voilà. Ensuite, bon, ça, je l'ai acheté sur MediaMark. Bon, je suis un peu d'aide parce que, aussi, pareil, je l'ai acheté 27. Et il a été. Bah, il a un peu réduit. Là, il a 25. Bon, il y a quelques euros en moins, mais c'est pas grave. C'est un jeu, je pense, qui est assez récent. Je pense, hein, qui est sorti. Je me demande si c'est pas sorti cette année. ce a ouais, je pense qu'il est sorti cette année, ce jeu-là. Hein, donc, euh, c'est un jeu qui m'intéressait parce que j'avais bien aimé les Autopuces. On sait des, des jeux pour enfants, mais moi, j'aime bien encore ce genre de jeu. Les pas de patrouille, voilà. Euh, pas de patrouille euh, World, voilà. Donc, euh, le nouveau jeu qui vient de sortir, hein, voilà, à tester. Bon, c'est des jeux sympathiques à faire. Hein, c'est pas des, pas des gros jeux non plus, mais c'est plutôt correct à faire. Ensuite, toujours pour 25 euros, enfin 25 euros, je me suis pris le Jumanji Wild Adventure, voilà. Donc, euh, avec, dans l'univers de Jumanji, hein, tout ça. J'ai vu une vidéo avant de l'acheter, ça avait l'air plutôt sympa. Donc, euh, je l'ai pris également, voilà. À, à, voir, à voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc. Euh, Aventure dans le vaste monde du monde' rempli d'animaux dangereux et d'étranges lieux inédits. Et affronte des boss sauvages tout en cherchant le joyeux volet. Révèle des secrets. Améliore ton équipement. Et euh, coop local. Voilà, bah plutôt sympa. À voir ce que ça donne hein, également. Oh, attendez. Oh, attendez, je encore éternu, je pense. Oh, pour bon, ceux qui regardent la première fois mes vidéos, j'ai terminé en vidéo. Je fais pas de montage, moi. Mes vidéos, c'est vraiment dans le, dans, le, dans le jus. Bon, évidemment, si jamais, ben, en général, je vais pas vous mentir, quand il se passe un truc dans la vidéo que j'aime pas, ben, je recommence la vidéo en fait. Pas trop le choix. Ensuite, achat sur Amazon Belge cette fois-ci. Euh, en fait, j'avais profité d'une offre sur Amazon Belge euh, où il y avait en fait une promo. Si on ach... enfin, sur Amazon Belge, il y avait une, une offre intéressante. Si on achetait pour 50 euros, on avait 10 euros de remise hein, avec un code, donc ça c'était pas mal. Donc j'ai pris le Madison, Madison, euh, Madison, un possédé d'édition, que j'avais testé la démo sur, euh, sur PS Plus Premium, j'avais plutôt bien aimé. Donc là, il était à 22 euros sur Amazon Belge hein, celui-ci. Donc c'est une édition apparemment avec des petits goodies à l'intérieur, donc euh, voilà, bah, je vais vous ouvrirai ça plus tard, on verra. Ensuite. Sur Amazon, ou non, je suis me Media Arc, je sais plus. J'en sais pas, Amazon, il était à 40 euros. Bon, 40 euros, c'est pas non plus un prix non plus très, très euh, super intéressant, mais il était déjà moins cher que la sortie qui coûtait 50-60 euros. Donc le Hot Wheels, une Lichy deux, Turbo turbocharged. J'avais bien aimé le premier, donc là bah, j'ai pris le deuxième, hein, donc on, je me ferai ça prochainement. Alors on va dire que niveau jeu je suis servi, j'en ai vraiment énormément à faire. Ensuite sur donc je ne sais pas si c'était une promo Black Friday, pas, pas directement, mais bon j'avais envie de le prendre pas trop cher sur la PS4, enfin sur PS5, je sais même pas si c'est un Opus PS5 ce jeu, il faudrait que je me renseigne. Mais j'avais envie de me prendre ce jeu, parce que j'avais beaucoup aimé la version euh, bah, sur le Game Pass Xbox Series X. Et je m'étais dit que ce jeu je le referais sûrement sur une autre console, sur PS5, peut-être en live peut-être. Donc il s'agit du Psychonauts 2 mine de rien ce jeu-là il est pas si évident que ça à trouver je voudrais que je regarde sur Amazon s'il si est disponible d'ailleurs enfin c'est vrai que ce jeu-là même en promo je le vois très très rarement en promotion même d'occasion je le vois quasiment jamais enfin je l'ai même jamais vu Et là ben bah, j'ai profité il était vraiment pas cher sur média il était à 30€. euros trente euros vous allez me dire c'est pas non plus un petit prix mais c'est déjà mieux quand même que le prix normalement il coûtait 60€, euros je pense ce jeu-là et ouais bah pour euros, je me suis dit que je vais le prendre parce que bah j'ai envie de dy jouer je joue sur PS4, PS5. Bah, et là je suis quand même content de le, de le rentrer parce que bah, c'est vrai qu'il n'est pas si courant que ça euh, quand je le vois quasiment jamais d'occasion et encore moins bah, quand à des prix intéressants parce que je me sens qu'à un moment il était encore vraiment resté à un prix vraiment élevé donc là pour 30 euros je suis assez content. En plus c'est une édition apparemment un peu collector, parce qu'à l'intérieur on est à, à, à apparemment... On aurait une jaquette lenticulaire, 6 autocollants, 6 cartes d'illustration, contenu exclusif sur les coulisses du développement, téléchargement numérique. Donc là, il faut savoir aussi que ce jeu-là, c'est fait par Double Fine. Et Double Fine, je pense que c'est un éditeur de Microsoft, je pense, qui appartient à Microsoft. Donc je ne serais pas étonné qu'un jour, ce jeu, bah, il commence à avoir de la valeur. À voir. Ensuite, achat issu bah, de Amazon Beige avec le bon d'achat de 10 euros. Voilà, je me suis pris ce jeu-là que je voulais me prendre, hein, mais bon, je voulais au début je voulais le prendre à la sortie, mais bon, il coûtait quand même 70 balles, j'avais pas envie de mettre 70 euros. Au final, j'ai joué via l'abonnement Ubisoft Plus, hein, mais bon, je pense que ce serait quand même mieux de l'acheter de ce jeu-là euh, pour l'avoir au moins dans les mains, quoi. Donc au final, il était à 45 euros moins 10 euros, donc il m'est revenu à 35 euros, un prix correct, hein, évidemment. C'est un prix que j'avais envie de mettre maximum, enfin voilà. Je me suis pris le The Crew. <coughs> le The Crew Motorfest, voilà. Sur la Xbox Series X. Bon, j'avais le choix aussi de, là, avec la version PS5. Hein, mais vu que j'ai beaucoup joué sur la série X, bah, je l'ai pris sur Series X, voilà. Donc le The Crew Motorfest, hein, Bundle, Cross Gen, Limited Edition. Maintenant, j'essaye un peu d'alterner un peu avec les, les jeux et tout ça. Les jeux Xbox. Enfin, j'essaye d'alterner. Euh... J'essaye d'alterner avec les. Euh, enfin, ouais, J'essaye d'alterner en fait les, euh, les supports. En fait, pour un peu changer de support de temps en temps. Voilà, The Cro-Motor voilà. Donc plutôt sympa de le rentrer, ça je suis assez content. Ensuite sur Amazon, euh, sur MediaMark, pardon, euh, un petit jeu que j'avais envie de me prendre depuis un petit temps. Il est en promo là à euros au lieu de euros. Donc je me suis laissé tenter. Je me suis pris le Dredge. Voilà, un petit jeu qui m'intéressait. J'avais pas envie de le payer, euh, le payer plein pot. Donc voilà, ben je l'ai pris en. En, voilà. en plus, c'est la version Deluxe, tu viens de me rendre compte. Et apparemment, derrière, il y aurait un, un DLC, une bande sonore, un mini roadbook, affiche et jeu de stickers. Est-ce que le mini, est-ce que la soundtrack étant, étant physique Ce sera vérifié, ça, hein ça j'en ai aucune idée. Je vérifierai ça plus tard. Voilà, donc Gredge pour 15 euros. Assez content. Ensuite, j'ai également pris ce jeu-là. Bon, il était aussi en baisse de prix sur. Euh, sur Media il était à 36 euros, donc je l'ai pris également. Le Street Fighter 6 voilà, donc à tester ce petit jeu-là. Bon, j'en ai entendu plutôt du bien, donc, voilà, donc on verra ce que ça donne, le petit Street Fighter 6 Ensuite, euh, sur Serix, sur Amazon, à 30 euros, déjà mieux que le prix de base, 60 euros. Le Sonic Superstar, voilà, donc pareil, euh, petit Sonic qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il était proposé à 30 euros, voilà, donc plutôt sympa. Ensuite, sur Amazon, toujours un jeu PS5 euh, compatible VR mais aussi sans VR hein, que je connaissais pas du tout. C'est sorti il y a déjà un petit temps en plus. Euh, je l'ai eu à 16 euros. Bon, il n'y avait pas une grosse remise dessus, hein, mais je l'ai vraiment pris parce que le jeu m'intéressait et aussi bah, parce que je connaissais pas du tout. Voilà, The Last Worker, hein, voilà donc euh, vraiment la euh, première fois de ma vie que j'entends parler de ce jeu. Et apparemment, le jeu a un très très bon casting. Olafur, Darius olafson Jason Isaacs, Claire Hop Hatchney, David Elette, Tom Earl Jenkins et Zedda Williams. Euh, un jeu vraiment, apparemment, qui, qui a l'air vraiment sympathique. Une sorte un peu de portal avec des énigmes à faire et tout ça. Donc ça m'intéressait fortement celui-ci quand je l'ai vu sur Amazon. Hein. Donc je l'ai prix direct. Sur Amazon Belge, je me suis pris le Saga of Sins à tester ce jeu-là. Il était à 12 euros, je pense. Hein, donc voilà. À tester ce petit jeu. Je connais pas du tout. Bon, j'ai pris ce jeu là, il est en baisse de prix parce que sur Amazon il est quand même vendu encore 35-38 euros. Là, il était à 28 euros sur Amazon belge. Bon, j'avais envie de lui laisser sa chance quand même, malgré les retours et malgré euh, bah, ce que j'en ai vu. Le Rise of Kong euh, School Island, hein, voilà donc le fameux jeu hein, qui est en tête d'affiche avec Gollum hein, pour, voir a, pour savoir qui est le pire meilleur jeu. Et encore là, entre temps, on a vraiment le Walking Dead Destiny qui s'incruse dans l'eau, hein, voilà. Donc euh, voilà, à tester ce jeu-là mine de rien. C'est vrai que graphiquement c'est très laid. Après il faut voir euh, gameplay ce que ça donne, mais on verra, on verra bien. Et le dernier jeu pour cette vidéo, enfin du moins pour, pour le, la vidéo, je me suis pris pour 30€. euros. J'avais envie de le tester, pas trop cher. Donc voilà, le Remnant 2. Bon c'est un sous like apparemment, mais bon je envie quand même de tester, voir si j'arrive à m'en sortir ou non. La voilà, Remnant 2, voilà, voilà petit petit jeu qui a l'air plutôt sympathique, voilà pour 30€. euros. Voilà pour les jeux vidéo qui est quand même pas mal, mine de rien. Hein, les jeux vidéo, on en a quand même acheté euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec un coffret Blu-ray que j'ai acheté 50 euros. Voilà. Une série, je me suis pris la série Camelot. Euh, voilà, donc la série Camelot en Blu-ray, que j'ai déjà vu quelques épisodes auparavant, mais je n'ai jamais vu l'intégrale, donc ça ce sera l'occasion de le voir. En plus en Blu-ray. Apparemment, c'est en un, un intégral avec un coffret de 13 disques. Hein, voilà. Donc, pour 50 euros, bah ben voilà, c'est content. Au début, j'hésitais, hein, mais bon, quand j'ai vu que c'était la version Blu-ray, j'ai dit, allez, vas-y, on se le prend. Ensuite, les amis, on enchaîne avec du coffret 4K. Voilà, un coffret 4K, ici, pour 30 euros. Je l'ai pris parce qu'à l'intérieur, il y a deux films que je ne possède pas. Il y a déjà un film que je possède dans l'eau, que je revendrai sûrement. Voilà, donc, j'ai pris le coffret 4K, donc, avec Génération Perdue, euh, Lost Boy, enfin, euh, Shining, pardon. Et poltergeist, voilà donc j'avais pas euh, Poltergeist et génération perdue. Donc ça c'est cool de les rentrer en 4K. Par contre le Shining, je l'ai déjà, je le revendrai sûrement. Voilà donc pour ce 4K, plutôt sympa pour 30 euros. Pour 22 euros, je me suis pris la momie, la trilogie en 4K. Bon en fait au début je pensais que je n'avais que la momie returns en 4K, mais en fait donc j'avais la momie 3 et la momie returns en 4K. J'avais juste pas la première momie, donc au moins je le rentre. Mon pire, je le vendrai les, les deux, c'est pas grave. Hein. Voilà, la momie, voilà donc un coffret trilogie 4K pour 22 euros, enfin plutôt un bon prix. Là, il était passé entre temps à 19 euros. Pour 22 euros, un plutôt bon prix. Pour 22 euros, le coffret Flash avec Black Adam en 4K, voilà donc pour euh, bah pour 20 pour 22 euros, un bon petit prix, un mine de rien, voilà. Bon, en plus, un film, ce film-là est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, pour 22 euros, je suis assez content. Voilà le petit flash avec Black Adam. Voilà ensuite un petit coffret à la base. Je pensais que c'était un coffret, mais en fait, pas du tout. C'est juste une boîte comme ça avec les films réunis. Pour 10 euros, le Batman The Long Halloween. Voilà, petite série animée. J'ai un ami à moi qui m'a dit que c'était très très chouette à regarder. Donc à voir. Ensuite, pour 30 euros, je me suis pris la Expandable Trilogie euh, en 4K. Bon, il n'y a pas le dernier dedans, hein, parce que le dernier n'est pas encore sorti, je pense, en, en Blu-ray tout ça. Apparemment, le dernier n'est pas terrible. Hein. Voilà, donc Expandable, moi je n'ai jamais vu, donc ce sur l'occasion. Ça peut être des films peut-être bien aussi pour mon père, parce que je pense que mon père pourrait bien aimer ce genre de film. Et apparemment, à l'intérieur, on aurait une médaille Expandable à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa. Donc pour 30 euros. Sympa enfin, le 4K, bon ça fait 10 balles le 4K, ce qui est plutôt à mon prix pour 50 euros. Bon, je suis un peu deg, il a baissé entre temps à 40 euros. Bon, peut-être que j'aurai la réduction de prix. Hein. Je me suis pris l'intégrale de Resident Evil euh, en 4K. Apparemment, il y a des gens qui disent que la... la remasterisation est plutôt bonne en 4K, donc à voir ce que ça donnera. Bon, il bon, faudra vraiment que je les revoie. Hein. Ça fait tellement longtemps que je les ai plus vus, c'est Resident Evil, donc faudra que je les revoie. Euh, voilà, donc en 4K bah, c'est plutôt sympa dans un coffret euh, un peu un peu un peu métal comme ça. Voilà donc euh, Resident Evil 4K voilà, pour 50 euros. Bon après quand on y pense hein, euh, même si c'est 50 balles, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6, 4K, ça fait même pas 10 balles le 4K, donc c'est plutôt un bon prix. Ensuite on enchaîne au Blu-ray. Donc deux blu ray à marrer, déjà. On a Uranus que j'ai eu pour la somme de 10 euros. Petit film avec euh, Michel Galabru, Michel Blanc, enfin euh, bref. Euh, D'ailleurs, je me pense... Au début, je... Ah, avait bien cher de Barbu. ouais. Anus, voilà. A voir ce que ça donne, ce final que je ne connais pas du tout. Voilà. Ensuite, on a Le Maître d'école. Voilà, que j'avais acheté en DVD il n'y a pas longtemps. Bon là, je l'ai pris en Blu-ray. Au moins comme ça, ben, je l'aurai en Blu-ray. Euh, voilà, Le Maître d'école avec Coluche, hein, voilà. Le fameux Coluche. Un petit coffret pour 12,50. La peur bleue avec le premier peur bleu. Et les deux autres. Bon, moi, j'avais pas les deux autres. J'avais déjà le premier. Mais bon, je ne sais pas ce que les deux autres vaut. Il y a des amis à moi qui me disent que les deux autres sont très, très mauvais. Donc, voilà. Ce bah, sera... Bon, on les regardera quand même. Hein. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc, pour, euh, pour ce petit coffret pour 12,50 Ensuite, un petit coffret pour 12 euros qui m'intriguait. Collection de deux mini-séries de Stephen King avec le fléau et The Stand. Voilà. Je connais pas du tout, ça a l'air plutôt sympathique. Donc bah, on verra ce que ça donne hein, ce petit, cette petite série, mini-série. Ensuite, j'ai également pris l'intégrale de la série euh, la Star Trek, la série OG originale, l'intégrale de la série remasterisée, Donc moi, j'ai jamais vu la série. Donc si un jour j'ai l'occasion de la regarder, bah, je la regarderai. Elle était vendue 25 euros celle-ci. Donc euh, un plutôt bon prix également pour cette intégrale. Et ensuite, on a le coffret, la Panthérose rose. Je ne sais plus du tout si j'ai les films La Panthérose séparément. Donc là, ben, je l'ai pris pour le coffret. Je pense qu'il était vendu 15 euros, si je ne me trompe pas. Voilà, La Panthérose, Quand l'inspecteur s'en mêle, Quand la Panthérose s'en mêle, La malédiction de la Panthérose et À la recherche de la Panthérose. Voilà, donc euh, voilà, plutôt sympa pour 15 euros. Ensuite, DVD que j'avais sûrement déjà séparément, mais les miens étaient peut-être rayés. Donc là, ben, j'ai pris en meilleur état. Voilà, Les Charlots, le coffret. Donc ce coffret n'était pas vendu si cher que ça, hein. Il était vendu 10 euros, ce qui est vraiment un prix euh, très, très correct. Hein, voilà, 10 euros le coffret. Voilà. Et en dedans, on a euh, les Bidas en vente en guerre, le Grand Bazar, les 4 Charlots mousquetaires et Bombezé de Hong Kong. Voilà, donc plutôt sympa. Voilà. Et enfin, dernier coffret que je suis assez content, parce qu'en fait, euh, voilà, je vous montre de quoi il s'agit. Un petit coffret que j'ai eu pour la somme de 8 euros. Bon, je suis un peu deg, il a baissé entre-temps, il était passé à 5 euros. Voilà, donc je l'ai pris pour ce film-là, parce que ce film-là à la VF, hein, alors que moi je l'avais en blu il n'avait pas la VF, donc ça a l'air plutôt sympa. Donc un coffret avec trois films dedans, donc à 2 mètres de toi, avec spruce Un Monde entre nous, qui a l'air plutôt sympa aussi celui-là, et avec Love Russie, que, bon, Rosie, que je connais pas tant que ça. Mais bon, voilà. à voir ce que ça donne, ces petits films qui ont l'air plutôt, ma foi, sympathiques. Du coup, voilà, les amis, la vidéo, enfin du moins les achats, présentation d'achats sont terminées. Euh, j'ai encore d'autres trucs qui doivent arriver, de MediaMarkt et également de Amazon, parce que j'ai commandé 2-3 petites choses encore sur Amazon qui doivent encore arriver mais pour le moment c'est pas encore arrivé, ça, ça doit prendre le temps. Du coup voilà les amis, vidéo Black Friday terminée, bah, je me suis quand même fait plaisir à mine de rien, hein. bon je sais pas combien j'ai dépensé mais quand même beaucoup d'argent. Donc les amis, voilà, donc en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous, les amis.